Bienvenue sur ma chaîne Telle Plus Fatiguée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais juste réagir par rapport à l'affaire Laure Longo. Laure Longo a parlé sur un live en disant, je ne sais pas si vous donnez un conseil à une personne, si vous parlez à quelqu'un en lui disant que non, si tu veux te marier, si toi tu es noire, il faut épouser une femme qui est claire, comme ça vous allez faire des enfants chocos, pour ne pas avoir des enfants trop noirs, noirs, noirs comme la braise, etc. Il a même dit noir comme les ténèbres, et tout ça. Même si c'était en rigolant, même si c'était une blague, franchement, de ce côté-là, il a vraiment déconné. Il a vraiment déconné, mais elle a vraiment déconné. Dans le sens où, ça fait des années et des années et des années que les Noirs font tout pour pouvoir valoriser la femme noire. Et qu'elle puisse être acceptée telle qu'elle est. Et aujourd'hui, sortant de la bouche d'un homme noir, ses propos sont vraiment très, 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 très mal vus. Là, tout le monde dit oui, il a demandé pardon, il a demandé pardon, oui, il a demandé pardon parce que il sait que tout le monde a suivi. Si tout le monde n'avait pas suivi, il ne l'aurait peut-être pas demandé pardon. Après, moi, je dis, on n'est pas là pour le juger. Qui sommes-nous pour accepter son pardon ou pour refuser son pardon? Nous tous, on fait des erreurs. Nous tous, on est pécheurs. Nous tous, on a nos fautes aussi. Il a fait une erreur. Il a demandé pardon. Oui, on peut le pardonner. Comme on ne peut pas le pardonner, ça, ça tient à chacun. Mais le problème, c'est les propos qu'il a tenus. Venant d'un homme de Dieu, c'est inacceptable. Venant d'un homme de Dieu, c'est inacceptable parce que c'est dénigrer la femme noire. Vraiment dénigrer la femme noire jusqu'à un tel point. C'est pas possible, quoi. Venant d'un pasteur, c'est là où ça passe pas. Tout en sachant que dans la peau noire, il y a différentes carnations. Dans la peau noire, on est du plus foncé au plus clair. Et après, on a les métis encore après. On a aussi les gens qui sont albinos, etc. Mais on a différentes carnations de peau noire. Une grande diversité de couleurs de peau noire. Regardez, même Rihanna a dû faire ses fonds de teint là, Fenty, qu'elle a fait là. Elle a dû trouver toutes les sortes de nuances de teintes noires, parce que la peau noire a tellement de diversité. On a du tellement foncé, ou un peu plus foncé, ou un peu plus clair, ou un peu plus clair encore. Il y a différentes teintes, mais il y a tellement de nombreuses teintes. Et là, ce qu'il a dit, c'est vraiment dénigré. Dénigrer vraiment la femme noire. Et c'est là où ça ne passe pas. Comment tu peux conseiller à un homme d'aller se marier seulement à une femme qui est claire? Donc ça veut dire que toutes les femmes noires, elles ne doivent pas se marier, quoi. Les femmes noires ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas faire d'enfants, elles doivent rester là, quoi. Parce que soi-disant, pour vous, la peau noire, elle est moche. Être clair, c'est pas ça qui fait la beauté, hein. La beauté vient de l'intérieur. La beauté d'une personne vient de l'intérieur. C'est l'âme de la personne qui fait la beauté d'une personne. C'est pas ce que vous voyez à l'extérieur là. C'est pas son visage. C'est pas son corps là parce qu'il est dessiné de telle façon ou de telle façon. C'est pas parce qu'elle a un beau visage. C'est pas parce qu'elle a des beaux cheveux. C'est pas parce qu'elle a des beaux yeux. Parce qu'elle a, je sais pas quoi, une belle bouche, des belles fesses ou quoi que ce soit. Non. La beauté d'une personne vient de son intérieur. Après, si t'as tout ça, tant mieux. Dieu t'a béni. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas, ça veut dire qu'eux, ils ne peuvent pas vivre, eux ne peuvent pas se marier. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas importants sur cette terre, quoi. Parce que vous, vous avez choisi seulement une certaine catégorie de femmes que vous vous préférez et que c'est celle-là que vous vous préférez prendre. C'est là où le bas blesse. C'est là où les gens ne sont pas d'accord. Tout le monde dit qu'il faut le pardonner, qu'il faut le pardonner. Il a demandé ses excuses. Oui, personne ne refuse. Il a demandé ses excuses, ça veut dire qu'il a reconnu son erreur. On est tous d'accord avec lui, il a reconnu son erreur. Mais le fait que ce soit un homme noir qui le dit, c'est là où vraiment ça blesse.
c'est vraiment là où ça blesse. Parce que maintenant, imaginez, c'est un homme blanc qui le dit. Tout le monde va le sauter dessus. Mais venant d'un homme noir, c'est encore pire. C'est encore pire parce que vous-même, les hommes noirs, vous êtes en train de dénigrer vos sœurs. Après, demain, un homme blanc qui va nous insulter, il va dire quoi? Il va dire, ouais, de toutes les façons. Vos propres frères disent que vous-même, vous, on ne doit pas épouser des femmes noires parce qu'on va faire des enfants noirs comme la braise. Alors, sinon, on le dit, ça fait quoi? Sinon, on le dit, ça fait quoi? Le blanc, il va te sortir ça. Et après, vous allez les sauter sur lui? Non, parce que vous-même, vous le sortez déjà de vos bouches. Vous-même, déjà, vous dénigrez vos femmes vous-même, déjà. Et vous les dénigrez pas seulement par rapport à la couleur de peau, mais vous les dénigrez aussi par rapport à d'autres choses en les rabaissant tout le temps. C'est là où le pas blesse. C'est pour cette raison que tout le monde est contre ce qu'il a dit. Et nous, encore les morts, on a encore un problème, un gros problème. On aime trop pardonner trop vite. On a trop la facilité du pardon. Quelqu'un va se faire du mal directement, non, je le pardonne. Quelqu'un va venir tuer quelqu'un chez toi, tu vas dire non, je le pardonne. On va venir violer ton enfant, tu vas dire non, je le pardonne. On va faire du mal à ta femme, tu vas venir dire non, je le pardonne. Facilité du pardon. Oui, nous tous on prie, nous tous on croit en Dieu, tout ça, etc. Oui, mais il y a des fois, il faut regarder aussi ce qu'on peut pardonner, ce qu'on peut pas pardonner. On va nous sortir les paroles de la Bible du genre, ouais, c'est ça qui prouve l'amour. L'amour supporte tout. L'amour ceci. On connaît toutes ces phrases-là, on les connaît tous. Mais dans la même Bible aussi, il est écrit, c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. De l'abondance du cœur dont la bouche parle. Et lui, quand il parlait selon son cœur. Il parlait de l'abondance de son cœur. Donc, il a sorti ce qu'il pensait dans son cœur, dans son âme. C'est son choix. Hein. Après, personne ne dit que non, il n'est pas un mauvais choix. C'est son choix. S'il aime les femmes claires, c'est son choix. Personne ne va l'obliger à aimer les femmes noires. Non, c'est son choix. Mais après, aller conseiller à quelqu'un d'autre en lui disant qu'il va faire des enfants noirs comme la braise, comme les ténèbres, là, franchement, moi, je suis pas d'accord. Et je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Les chrétiens, vous allez m'excuser, mais là, franchement, il fallait vraiment qu'on donne chacun notre avis. Il fallait vraiment qu'on parle. Faut pas venir sur les pages des gens ici pour commencer à insulter. On veut pas d'insultes. Là, nous, on n'a pas insulté le pasteur. On l'a pas insulté. On donne juste notre avis pour dire pourquoi on n'est pas d'accord. C'est tout simplement par rapport à ça. Et moi, ce qui me touche encore le plus, c'est le fait que ce soit un pasteur qui le dit. Celui qui est censé nous montrer l'exemple. Celui qui est censé nous prêcher la bonne parole. Celui qui est censé nous donner de bons conseils. Celui qui est censé guider les gens sur le droit chemin. Que c'est de sa bouche à lui qu'il sort ce genre de choses. La même Bible qui prêche là, dit que c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Et lui, quand il parlait, c'était de l'abondance de son cœur. Donc voilà, c'était juste ça. Je voulais juste donner mon avis par rapport à ça et tout. Donc, je vous dis à la prochaine, quoi. Bye bye. Regardez quand même vos teintes. Toi, tu es noir comme la braise. Tu pousses une femme noire comme le séjour des morts. Mais c'est quel genre d'enfant que vous allez faire? Vous faire des enfants où on n'arrive pas à les voir. Et on dirait boutou, comme on dirait la nuit. Il ressemble à la nuit, son teint c'est comme la nuit. Donc il faut quand même aussi voir, il faut voir quand même, toi tu es noir, il faut quand même voir, elle ne soit pas trop noire non plus, et tout, voilà, quelqu'un de clair, un petit mélange, voilà, café au lait, voilà, tu vois. Et puis vous aussi, quand vous vous mariez, regardez quand même vos teints, toi tu es noir comme la braise. Regardez quand même vos teintes. Toi, tu es noir comme la braise. Tu pousses une femme noire comme le séjour des morts. Mais c'est quel genre d'enfant que vous allez faire? Vous allez faire des enfants où on n'arrive pas à les voir. Et on dirait boutou, comme on dirait la nuit.
Ils ressemblent à la nuit, son teint c'est comme la nuit. Non, il faut quand même aussi voir, il faut voir quand même, toi tu es noir, il faut quand même voir, elles sont pas trop noires non plus, et tout, voilà, quelqu'un de clair, un petit mélange, voilà, café au lait, voilà, tu vois. Et puis vous aussi, quand vous vous mariez, regardez quand même vos teints, toi tu es noir comme la braise. Bonjour tout le monde, ici votre frère Lord. J'ai reçu beaucoup d'appels, de messages de mes aînés, de mes pères, de mes pasteurs, des amis et même de moins âgés que moi, pour me parler de leur indignation par rapport à la vidéo de moi qui circule dans un moment de live, un live qui avait duré une heure ou un peu plus, mais juste une séquence d'une minute à peu près a été partagée, relayant avec des propos que vous avez écoutés vous-même. Je vais vous présenter toutes mes excuses. Je n'ai pas dit cela pour critiquer ou dénigrer la race noire. Je parlais même pas de race. Je parlais de couleur de peau. Et certainement une petite nuance, mais aux yeux de plusieurs, ça revient au même. Et j'aimerais juste vous dire pardon pour cela, vous demander sincèrement pardon. J'espère que vous trouverez la force et la gentillesse de me pardonner. Je suis moi-même noir et fier de l'être. J'ai des parents noirs. Ma mère, d'ailleurs, que je considère comme la plus belle femme du monde, est une femme noire. Mes frères et sœurs sont noirs, donc j'ai des amis noirs, et dans toute la communauté où j'évolue, ceux qui écoutent le plus ma musique ou mes prédications, la plupart des églises où je suis invité, c'est des noirs. Et donc, en aucun cas, j'ai voulu blesser les noirs. Je veux pas me justifier ou rentrer sur ce que j'ai vraiment voulu dire. Il est vrai que la vidéo avait été prise hors contexte. Mais je veux juste faire cette vidéo pour vous demander vraiment sincèrement pardon. En tant qu'enfant de Dieu et surtout en tant que pasteur, nous avons le devoir d'être des modèles. En tout. En parole, en acte, en pureté, en tout. Et je dois avouer que même quand je regarde cette séquence et que je ne me mets pas à ma place, mais que je me mets à la place des autres qui peuvent regarder sans peut-être connaître tout ce qu'il y a autour, je trouve que les propos qui ont été dits de ma part, de ma bouche, étaient des propos légers et pas du tout dignes de mon rang, ni de ma fonction, ni de ma race. Je vais vous demander pardon par rapport à cela, espérant que vous trouverez la force de me pardonner. Ceux qui me connaissent un tout petit peu savent que c'était dit comme une blague, déplacée, une sale blague, une blague qui n'avait pas lieu d'être. Mais je ne le disais pas pour offenser. Même si ça a été perçu comme ça. Donc à vous tous, je vous demande de me pardonner et je ferai l'effort dans l'avenir de continuer d'être un vrai modèle, parce que sur ce coup, je ne l'ai pas été. Et j'espère que pour vous et moi, il y aura des meilleurs jours devant. Merci infiniment et encore une fois, pardon.